Bonjour, bienvenue dans l'émission Bouge-toi de TV Goël, donc Grégory, éducateur bien-être, hein, coach en développement. On se retrouve pour parler aujourd'hui d'une discipline de bien-être qui est le Qigong. Alors le Qigong, origine chinoise, Qi pour énergie. Énergie vitale, on va plus parler peut-être de vitalité. Et gong dans le sens travail. Travail donc dans le sens rigueur et discipline dont il faut faire preuve pour effectivement avoir des résultats dans cette pratique. Donc le Qigong est une, on dit Qi, hein, mais c'est bon, c'est écrit QI, mais Qi. Qigong est une discipline d'origine chinoise qui a également des courants en fait qui prennent en compte l'énergétique chinoise, qui sont plus martiales, comme le tai chi. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du qigong. Donc travail de l'énergie, travail du souffle vital. Alors le qigong, dans le qigong, il y a trois fondements. Le daoyin, qui représente le mouvement, le tuina, qui représente la respiration et l'intention, ce qui est plus compliqué à réaliser pour nous, hein, qui n'avons pas l'habitude forcément de pratiquer ce type de discipline, l'intentionnalité. On parle également de circulation de vitalité, circulation énergétique. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à faire une posture de Qigong qui s'appelle porter le ciel dans ses mains, qui est une posture qui fait partie des huit pièces de brocart. On appelle ça le Ba Dua Jin en Chine. Donc les huit pièces de brocart qui sont une technique en fait qui était à la base impériale et qui a été généralisée aux armées pour maintenir la santé en fait des hommes durant les guerres notamment. Alors le Ba Dua Jin, on va être pieds à peu près à largeur d'épaule, un peu plus. On va avoir les bras le long du corps, on va être bien relâché. On l'a vu dans la première émission. Stop, arrêtez. Voilà, s'entendre, s'écouter. On peut fermer les yeux et on va monter doucement avec l'inspiration. Hein. Deuxième émission, inspiration sur le côté. Revenir ici en haut, former un cœur entre pouce et index. Tirer vers le haut, s'auto-grandir. Redescendre doucement en expirant, en revenant à la terre. Donc on fléchit légèrement les jambes. On revient en bas et on va remonter doucement les mains au centre, vers ce qu'on appelle le Danchan moyen, hein, le centre énergétique moyen. Expiration, descend vers le centre énergétique bas, le Danchan inférieur, siège de l'énergie vitale en Chine. Inspiration, on monte bien haut, on va vers le troisième Danchan au niveau de la tête, l'esprit, et on redescend doucement sur l'expiration. Alors vous pouvez observer qu'il y a une grande inspiration, une grande expiration et une petite inspiration ici maintenant, petite expiration et grande inspiration. Par le nez si possible, grande expiration. Là je pars vers le ciel, le yang. Je reviens vers la terre, le yin. Je remonte au centre et je redescends. On pourrait, quand on est en haut, passer sur la pointe de pied, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Je refais une fois assez rapidement. Vous pouvez ralentir le mouvement quand vous le ferez chez vous. Et on va dire qu'on peut faire cette posture sur un multiple de 8, en référence au Yi Qing, un livre ancestral, cher à l'énergétique chinoise. Donc 8, 16, 24, 32, voilà, fois le mouvement. Et on revient, on referme la posture tranquillement. Donc c'était porter le ciel dans ses mains. Cet exercice nous permet de combattre la fatigue, de libérer les poumons également, et travaille sur ce qu'on appelle en Chine le triple réchauffeur, un méridien, qui a fonction en fait de la respiration, de l'absorption, de l'assimilation et de l'élimination. Hein, les trois foyers avec ces trois fonctions qui sont régularisées. Alors, le proverbe du jour, hein, si mon cœur est étroit, à quoi me sert que le monde soit si vaste? Bien à vous, et puis à très bientôt dans l'émission Bouge-toi de TV Goël. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bouge-toi.